Le prince Harry et le roi Charles se rencontreront pour le couronnement le mois prochain, mais selon un expert, le docteur Max Pemberton, il appartient au roi de pousser à la réconciliation. Le roi Charles doit être la plus grande personne pour combler le fossé avec le prince Harry, affirmait un expert. Le plus jeune fils du roi retournera au Royaume-Uni le mois prochain pour assister au couronnement, marquant la première fois qu'il a vu son père en personne depuis la sortie de ses mémoires révélatrices et de la série Netflix. Mais le docteur Max Pemberton conseille aux parents de garder la porte ouverte à leur enfant après une séparation. Écrivant pour le Daily Mail, le docteur Pemberton a déclaré qu'il incombait aux parents d'être la personne la plus grande et que cela ne s'arrêtait pas lorsque les enfants grandissaient et devenaient des adultes. Il a déclaré : Je leur dirai gentiment que, oui, cela peut être difficile et qu'ils peuvent trouver l'idée humiliante, frustrante ou injuste. Mais, fondamentalement, il leur incombe d'être la personne la plus grande, car assumer la responsabilité est ce que font les parents et cela ne s'arrête pas lorsque les enfants deviennent eux-mêmes des adultes. Cependant, c'est le travail d'un parent de toujours s'assurer que son enfant sait que, quoi qu'il ait été dit et quoi qu'il se soit passé, il est toujours là. Il a ajouté que les parents devraient toujours inviter les enfants aux grands événements même si le geste n'est pas reconnu. Après des mois de spéculation, le palais de Buckingham a confirmé que le prince Harry assisterait au couronnement, tandis que sa femme, la duchesse de Sussex, reste chez elle en Californie avec leurs deux enfants. Il a été rapporté que Meghan restait à la maison pour plusieurs raisons, l'une étant de célébrer l'anniversaire des Archie, qui aura 4 ans le jour du couronnement. La réunion sera la première fois que Harry verra son père et son frère depuis qu'il a fait plusieurs allégations controversées envers la famille royale dans son livre.